Bonjour, je voulais vous dire quelque chose. C'est des choses qu'il ne faut pas dire, quoi. Ah oui, parce que maintenant, il y a la bien-pensance, puis il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais petit, parce que je suis né de l'autre côté de la mer, hein, mon père était gendarme et ma mère secrétaire de la marine. Bon, on était français et chrétiens d'origine. Mais bon, mes copains, jusqu'à 7-8 ans, m'ont toujours dit, et puis jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, hein, sale pied noir de merde, dégage, t'as rien à foutre ici, enfin voilà quoi. Hein. À l'heure de la mondialisation des migrants, bon, de la reconnaissance de certains peuples, hein. Alors, il n'y a pas de racisme, vous voyez, mais bon, il y a la reconnaissance de certains peuples, certains génocides, même si ce n'est pas des Français, hein. On reconnaît par exemple la souffrance du peuple arménien. Bon, moi je suis d'accord, ouais. Mais bon. Il y a des Français qui en ont bavé, quoi. Les militaires qui sont revenus d'Indochine, dont les gens qui sont d'un parti communiste, par exemple, hein, ils ont cassé les matériels médicaux, ils ont trafiqué les armes pour que ça leur explose à la figure. Bon, tout ça, c'est oublié. Mais je voulais vous parler des pieds noirs, vous savez, bon, les pieds noirs, et puis il y a une nouvelle race, parce qu'il y a les pieds noirs, mais les pieds noirs à pieds zébrés, vous voyez? Je ne sais pas si vous les voyez là. C'est des pieds noirs à pieds zébrés. Cela, c'est vrai, il faut s'en méfier. Parce que, vous voyez, on les reconnaît à ça. C'est des pieds noirs à pieds zébrés ou pieds tigrés, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est des pieds noirs à pieds tigrés. Cela, c'est une race, je ne sais pas d'où ça sort. Ils portent la croix du Christ, peut-être, vous voyez, dessus. Ils portent la croix du Christ, je ne sais rien. Là, vous me faites bien rigoler, hein? Vous êtes des gros enfoirés, c'est tout. Allez. Bonne continuation et c'est bien continuer. Elle est belle votre France. Franchement, elle vaut le coup. Hein.